Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est le 20 juillet et je vous montre la première récolte de poivrons. Alors, j'ai été obligé de les cueillir assez verts, comme on peut le voir, parce que finalement, les pieds sont tellement chargés qu'ils prennent tellement de ressources sur le pied que ça empêche donc la fructification des autres à venir. Alors, j'ai pris donc la décision d'en couper pas mal, comme vous pouvez le voir là, ici. Alors, je ne sais pas combien il y a de kilos, mais en tout cas, ça doit être quand même assez conséquent. Et vous voyez, c'est des beaux. Alors là, les gros comme ça, là, c'est de l'Espagne, donc du poivron rouge d'Espagne. Voilà, il y en a vraiment des gros pépères. Hein. Et les petits aussi, là, c'est du jaune d'Asti. Mais les jaunes d'Asti, ils sont un peu plus fragiles. Il y en a quand même pas mal qui sont un petit peu mous. Donc, du coup, je les ai mis de côté, ça va partir eh bien, au compost. Donc, vous voyez, donc, là, il y en a des plus petits, donc c'est des vers aussi, donc des vers de jaune d'Asti. Donc, finalement, alors, ce qu'on fait là, c'est la première récolte donc, de poivrons verts. Ça va rebooster donc, les pieds. Ça va éviter aussi que les pieds se cassent par rapport au poids, parce que la tige du poivron est quand même assez cassante, et puis ça va donner de l'énergie à tous les petits là qui sont en train de venir. Et on va couper ça en petits morceaux et on va mettre ça donc dans le congélateur dans des sachets en fait sous vide. Voilà, on est le 20 juillet, je ne sais pas si je l'avais dit, mais pour l'instant pas de problème donc au niveau de maladies sur les poivrons. Par contre les aubergines, j'ai toujours un petit problème dessus et c'est un petit peu compliqué. D'autant que là, on a aussi des ravageurs qui viennent nous manger les aubergines. Donc sans doute des petits rongeurs. Allez, salut, à une prochaine. Bye.